Vendre luxueuse propriété, mur d'enceinte en béton armé avec 4 miradors, 8 Doberman et 3 Harley Davidson. Contactez Grossal. Bloc appartement de 10 logements complètement refait à neuf suite à une inondation. Le propriétaire le laisserait aller pour une tente roulotte ou moins. Contactez le propriétaire. Moi, j'aime autant faire mes rénovations moi-même. D'abord, tu sauves de l'argent. Puis en plus, quand tu engages quelqu'un, tu sais jamais sur quel cabochon tu vas tomber. Tandis qu'avec moi, ben, je le sais, hein? Cet été, j'ai pris 2 semaines de vacances, ouais. Je les ai passées à peinturer mon fer forgé. Si jamais je rencontre la personne qui a inventé le fer forgé, là, j'ai fait peinturer ma maudite clôture en pleine canicule à 30 degrés. En plus, le noir, ça attire la chaleur, ça? Je me suis brûlé au 3e degré juste à tenir la canne. Puis maudit que ça avance pas vite, puis que tu te ramasses beurré, puis que tu sais plus de quel côté de la clôture aller pour pogner la petite maudite spirale en métal qui est laide puis qui fait qu'est-elle. Comme la TV, c'est pas toujours bon à écouter ça, hein? Mais locataires, eux autres, ils l'écoutent. Ils sont tous collectés sur mon câble. Vous devriez voir le mouton qui part dehors. Comme moi, Fort Boyard, ça m'impressionne pas, hein? Je fais pas mal plus d'épreuves que ça pour trouver la clé de mes locataires qui payent pas, ouais. Là, je m'adresse à ceux qui font des émissions de bricolage, là. Soyez donc plus clairs dans vos petits trucs. Il y a un de mes locataires, il a appris comment réparer les appareils électriques. À cette heure, quand il se fait des toasts, je pogne CNN sur ma TV. Il y a aussi le beau-frère riche des locataires d'en haut. Lui, à toutes les années, il vient les visiter avec son gros Winnebago de 40 pieds, puis il se plug sur mon compteur. Maudit gros péteur de fuse que je l'ai. Puis je pensais à ça un matin, le compteur de l'hydro, là, il marche-tu à l'électricité, lui?
Ah, il y a des bonnes nouvelles aussi. Le fameux locataire qui chantait du Paul Piché, là, que j'étais sur le bord d'opérer pour les amygdales, ben, il est déménagé, oui. Il a sous-loué à sa sœur, ouais. Et danseuse de claquettes. Moi, j'ai rien contre le lithium, mais n'en prend pas assez. Elle est folle, calife. Pis sa voisine, c'est une chanteuse d'opéra. Avez-vous déjà entendu ça? Une chanteuse d'opéra qui a un orgasme? Pis j'ai pas encore parlé du problème des animaux. Et mon voisin a un chien. Le sien, c'est un danois. Pis bien entendu, plus le chien gros, plus la... On se comprend? Moi, je reste dans le sous-sol. Tu sais, t'es en train de souper tranquille. Tu regardes par ton petit châssis. Puis tu vois arriver ce gros trou de cul-là. Un gars se coupe la fin. Il y en a une qui m'appelle l'autre jour, elle me dit « J'ai des rats dans mon logement. » Ben, j'ai dit « C'est ton problème. » Je l'avais dit, pas d'animaux dans le bail. Je suis allé déboucher ces toilettes l'autre jour. Je vous dis que c'est du monde en forme, ça. Il y a une partie de mon blog, je l'appelle le pâté chinois. En bas, c'est un noir. Dans le milieu, c'est un chinois. Puis en haut, c'est un blanc. Là, je me cherche un Indien au quatrième pour faire le ketchup. Il y en a un qui vient me voir l'autre jour, justement, les patates du pâté chinois, là. Il voulait que j'appelle l'ambulance. L'innocence était ébouillanté la bouche parce qu'il y a un gars à radio qui avait dit de faire bouillir son eau 15 minutes avant de la bouer. Bon. On va maintenant procéder au tirage. Je vais faire ça comme dans des noces. Je tire une clé dans la salle, puis la personne qui l'attrape gagne ce qui va au bout de la clé. Mais je dis pas c'est quoi, c'est une surprise. T'as pas de temps à perdre, tu passes en cours demain matin. Pis t'as quatre toilettes de boucher. Moi, je redeviens locataire. Je m'installe dans un beau petit 4,5, puis le propriétaire a besoin de marché douette parce que calife que je vais faire de la marde. Thank you.
pas mal moins pesant. Je me suis fait dessiner un habit sur mon pyjama. Oh, je le sais que je marche pas vite. Durant mon adolescence, là, j'ai déjà fait 3 fugues. Mes parents s'en sont jamais aperçus. Ah, voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait là, cette jambe-là? Elle fait, tu veux partir? Elle est partie tout d'un coup d'un zèbre. Ah, puis l'autre qui fait la... Oh, excusez-moi, j'avais oublié, c'est parce que je suis allée voir le médecin ce matin, puis il a testé mes réflexes. Il m'a dit que mon problème, là, c'était génétique. Même mes spermatozoïdes vont ralentir. Il paraît que si vous laissez rendre à temps l'ovule, il faudrait qu'il s'y prenne 3 mois d'avance. Je suis quasiment un moyen contraceptif à moi tout seul, hein? Je me suis mis au régime aussi. Je me suis dit, moins je vais peser, plus ça va être facile de me traîner, hein? Là, j'attends d'être rendu à 100 livres pour aller prendre une marche. S'ils vendent pas. Parce que s'ils vendent, il n'y en a pas question, je me ramasse toujours dans un coin de bâtisse avec les cochonneries, là. Remarquez, ce ne sera pas dur de me rendre à 100 livres. J'ai toujours été très maigre. À l'école, ouh! À l'école, le seul gars qui était plus maigre que moi, là, c'était le squelette du cours de biologie. Trouvez-vous, vous autres, que le sexe, là, s'est rendu trop dangereux? Moi, là, une seule fois, là, je regardais un Playboy, j'ai eu une érection, ouch! Je suis tombée par en avant. Pour avoir un plâtre, hein? Ouf! Personne n'a voulu le signer, en plus. Il y a des affaires aussi que je peux pas manger. Trop dangereux. Comme vous auriez dû voir la poque que je m'étais faite dans le front le mois passé, j'avais mangé des bines. Oh! On sait pas ce qu'on revole, hein? De la natation dans une piscine. Je suis restée collée 3 heures après le filtreur. Je me suis acheté un démarreur à distance pour ma voiture cet hiver, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Quand j'arrive dans mon char, il n'y a plus de gaz. Vous avez-tu vu? J'ai un poignet de foulée ici. Un accident bête! J'allais au cinéma, quand le préposé a déchiré mon billet, j'ai oublié de le lâcher. Avant de m'en aller, je voudrais parler aux nombreuses filles qui voudraient faire l'amour avec moi ce soir. Est-ce que les nombreuses filles qui voudraient faire l'amour avec moi ce soir voudraient lever la main, s'il vous plaît? Coupé. Bon, il y a quand même des limites à ce qu'on peut endurer, tu sais. Tu prends la peine de garer ton auto sur un stationnement safe, puis tu te le fais scratcher. C'est pas parce qu'on fait un peu plus de sous que la moyenne des gens qu'on va se laisser manger à laine sur le dos. Excusez-moi, je sais que j'arrive un peu impromptu. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi le spectacle que vous faites là? T'es en avant, tu le sais pas, toi. C'est quoi? L'évêque Turcotte, que c'est ça, des comptables, ben... Anyway, toujours est-il que j'ai stationné ma Mercedes juste ici à côté, puis il y a quelqu'un qui a laissé une belle grande trace de clé dessus, puis ce quelqu'un-là, il est probablement dans la salle ici. Tu sais, je peux bien croire que ça peut faire chier de voir quelqu'un qui se débrouille assez bien, merci, dans la vie, là, mais c'est quand même pas une raison... Oups, excusez-moi. Je travaille, moi. Oui, allô, Robert Bouvier-Bernois? Oh, oui, Robert Bouvier-Bernois, hein?
Excuse-moi, Martin, je t'avais pas reconnu. Écoute, Martin, tu m'appelles pour le souper de paella de la semaine prochaine. Écoute, je suis vraiment débordé. Peux-tu appeler le traiteur? Peux-tu lui dire qu'il force ses crevettes un peu? Tu sais, la dernière fois, on avait juste 15 chaque, ça m'a fait chier. Ah oui, tu lui diras aussi qu'on va changer de troupe de danseurs de flamenco. Oh non, ça sert à rien, les danseuses sont trop grosses, ça m'écoeure. Ça marche? On se voit dans le nord. Bye! Bon, toujours est-il que si je me suis permis de monter sur la scène ici ce soir, parce que j'en ai comme jusque-là, là, du vandalisme, là. Quand c'est pas ma maison dans le nord, c'est ma Mercedes, tu sais, ben oui, j'en ai des soupis. C'est sûr que juste avec les vêtements que j'ai sur le dos ce soir, je pourrais faire vivre plusieurs sans-abri pendant plusieurs semaines, mais c'est-tu de ma faute, moi? Qui aille travailler, bon Dieu? Les sans-abri, c'est rendu qu'il y en a tellement qu'on va être obligé de leur démolir des édifices pour leur faire de la place. Un exemple, c'est mardi passé, j'arrive au club de golf. Moi, j'aime bien ça jouer au golf, tu sais, j'ai les moyens de me le payer. Si vous les avez pas, c'est votre problème. Toujours est-il que j'arrive là, il y avait des petits punks qui nous quêtaient à la porte. Non, mais ils n'ont pas de parents, ces enfants-là. Tu sais, ça nous coûte 15 000 piastres par année pour s'inscrire à ce club-là. Il me semble qu'à ce prix-là, on pourrait peut-être avoir la paix, non? Puis à part de ça, moi, à leur âge, je travaillais. Mon père me payait pour tondre la pelouse. Il me donnait 100 piastres par semaine. Puis Dieu sait que je le gagnais, hein? Un autre exemple, tiens, mercredi passé, j'arrive au cinéma. Moi, j'aime bien ça, aller au cinéma le mercredi. Tu sais, c'est plein tarif. Il y a moins de peuple un peu. Mais quoi, les soirs de rabais, là, ça coupe par tous ces mal habillés, puis les enfants puent. Je l'ai constaté. De toute façon, faut pas comprendre, vous êtes pauvres, vous autres. Bon. Toujours est-il que j'arrive là, encore un vieux bonhomme qui me demande 25 cents pour un café, puis il était sale, il était sale. Je m'excuse, mais une barre de savon, c'est pas si cher que ça, hein? T'as dit que je lui ai répondu, j'ai dit 25 cents pour un café, ça doit faire longtemps que tu n'as pas acheté certain, un cappuccino c'est 3,50. Hey, ça s'approche cette affaire-là, il met la main sur l'épaule. Hey, wow, Herc, là. Sur mon beau veston de Giorgio Armani, tu sais. Faut quasiment que t'appelles la Brings pour envoyer ça chez le nettoyeur. Il a besoin d'enquêter des 30 sous, il veut s'en payer un. Non, mais c'est révoltant! Mais non, mais j'en paie assez d'impôts, moi, là! Je suis rendu que je suis obligé de passer 2 mois par année en supposé voyage de recherche dans le Sud pour déduire ça de mon rapport. C'est pas facile à vivre! Moi, je suis ce qu'on appelle un self-made man. Savez-vous c'est quoi, self-made man? Hein? Ça me surprend pas que tu saches pas. Tu sais même pas quel show que t'écoutes, maman. Compte-toi chanceux que les mouches soient gelées, tu n'aurais bien avalé 2-3. Pas facile. Un self-made man, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune tout seul sans l'aide de personne, OK? Moi, à l'âge de 16 ans, mon père me fait venir dans son bureau puis me dit, à partir de maintenant, tu t'arranges. Là, il m'a remis 100 000 $ là, mais... Ben, c'est pas facile se faire dire ça à 16 ans. T'es un homme dur, mon père, moi. J'ai fait plusieurs thérapies pour m'en sortir. Aujourd'hui, ça va mieux. Là, ben, mon père est décédé. Mon plus grand regret, c'est que j'ai même pas pu assister à ses funérailles. Tiens, un tournoi de tennis, tu déplaces pas ça. Anyway, toujours est-il que si je me suis permis de monter sur la scène ici ce soir, parce que je pense que c'est le temps qu'un riche se lève qu'il dise qu'il y a des aberrations. Comme là, les gens se plaignent à cause des coupures dans les hôpitaux, hey. Je dis que moi, je te réglerais ça, l'engorgement. Moi, c'était pas un moyen d'être malade chez vous. Puis à part de ça, les gens qui travaillent pas, moi, je trouve que c'est des paresseux, OK? Moi, je perdrais ma fortune demain matin, puis ça me dérangerait pas du tout d'aller travailler au salaire minimum. C'est combien le salaire minimum? 25, 30 piastres de l'heure? Combien? C'est combien? Coudonc, vous êtes-tu toutes là-dessus? Ben? Il y en a une qui dit 6,50, l'autre 17. Je pense que tu fais fourrer, toi, je vais... Ben. Tu travailles au McDonald's ou...
Vends-en de la moulette clown, tu sais. Ouh, c'est pas facile. 7 $, c'est pas beaucoup, hein? C'est sûr qu'à ce prix-là, il faudrait que je me relaxe la crevette un peu, là, mais... Anyway, c'est pas mon problème. J'en ai des sous, m'arrangez-vous. Bon. C'est pas que vous êtes pas intéressant, mais j'ai comme plus de temps à perdre, là. Je m'en vais chercher mon fils, il vient d'avoir 16 ans, puis c'est aujourd'hui qu'on y achète une voiture. Puis moi, je trouve ça important qu'à 16 ans, il ait sa voiture. Parce qu'à cet âge-là, là, tu laisses pas promener ça à pied en ville partout. On sait jamais ce qui peut arriver. Il y a tellement de pauvres en liberté. Ciao. Solidarité, mes frères, ensemble nous vaincrons. Solidarité, mes frères. Excusez-moi de vous déranger. C'est parce que je suis le concierge de la salle ici. Je suis en grève. Et j'aurai un service à vous demander. Je suis en grève parce qu'ils veulent faire une partie de ma job par une machine et je ne suis pas d'accord. Un robot japonais qui fait les dessous de chaise, qui décolle la gomme, qui scrape le coke, là. Un espèce d'aspirateur avec des yeux qui parle en 8 langues, toi. Maudit japonais, hein? Ils peuvent bien avoir les yeux plissés à force de rire de nous autres, hein? Il commence demain matin, c'est pour ça que ce soir, en guise de solidarité, j'aimerais ça que vous fassiez le plus de marde possible, s'il vous plaît. Déchirez vos programmes, collez vos gommes n'importe où, botchez, là. Quand le robot japonais va voir ça, là, les fuses vont y sauter. Back to the Japan. Je peux compter sur vous autres pour faire de la merde? Ah, merci, vous êtes bien smart. Ah, j'ai quasiment le goût de prendre mon break avec vous autres. Ça vous dérange pas? Ah, vous êtes encore plus smart. Ah. 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 Oh, vous êtes bien habillé? Ça vous fait bien? Ah, je sais pas tous les publics qui sont comme ça. Ah non, vous devriez voir le public de Plume la Traverse, vous autres. Oh! Ça te fait faire un burn-out à une mop, c'est pas long, ça. Tiens, l'aspirateur à lunettes, hein? Si ça peut te jammer une roulette, toi. Back to the Japan. Ah, ah les artistes, je connais ça, moi, je vois tout passer, c'est moi. Ah oui, Michel Louvert, j'ai chanté ici. Les billets les plus chers, c'est ceux qui étaient sur le bord des sorties. Ah, ah monsieur. Ah. Ah. Ah, les artistes, pas tous du monde riche. Hein. Attention, non. Il y en a même là-dedans qui sont très, très pauvres. Hein. Ah, combien de fois, moi, j'ai vu dans une loge en arrière, là, un chanteur avec ses musiciens là, fumer la même cigarette, toi. Jusqu'au bout, là. Des rouleuses, en plus, là. Ah, c'est le site que Michel Barrette a fait son premier spectacle il y a 15 ans. Je me rappelle, à son premier spectacle, il riait des Hells Angels. Le lendemain matin, il inventait Yeehaw Tremblay. Ah, supposément qu'il coupe partout dans le job ces temps-ci. Mais vous en avez même une place, moi, qui coupe pas, moi. Un orchestre symphonique, toi. 90 musiciens, toi. 15 violons. On ne fait pas croire qu'il n'y en a pas une couple qui se pogne l'archet là-dedans. Ouais. Ouais, le progrès, hein. Ouais, le progrès, c'est à cause d'ozone, ça. Hein? Moyen progrès. On peut plus sortir dehors sans te mettre de la 40. Puis le sida avec ça. Moi, là. Moi, je dis que quelqu'un qui veut pas se rater, là, il a juste à faire l'amour tout nu sur la plage, pas de capote, pas de copperton. Capote! Le progrès, oui. Comme les jeunes, ça ne sait plus écrire, ça. Pour ça qu'ils appellent ça Génération X, c'est comme ça qu'ils signent. En tout cas, au moins, ils peuvent se consoler. La prochaine génération risque d'être des gros zéros. Comme ça, ensemble, ils vont pouvoir jouer au tic-tac-toe. Hey, tu es rendu avec des polices des polyvalentes à Montréal. Tu parles d'un progrès, toi. Ah, oh, les polices, parle-moi-en pas. OK, ils sont pas toutes de même. Là. Je te jure que des fois, là, dans un phare de police, il y a plus de lumière sur le top qu'en dedans. Ouais.
Ah, c'est mon beau-frère est là-dedans. Oh! C'est de veilleuse, toi. Ça, c'est la tradition. Ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est du pain blanc. Pas du pain, cette céréale, là, tellement lourd que tu peux ancrer ta faloupe avec, là. Et à l'intérieur, du bélonné. Steak de gasket. Le duo, c'est par Malox et ballonné. C'est pas tout ensemble, ça. J'ai bien trouvé ce nom-là, Malox, hein? Ah, j'ai Malox, ça fait mal. C'est moi qui ai trouvé ça. Y a-tu de quoi de plus lettre et de plus niaiseux qu'une carotte, hein? On sait que le but d'une carotte, là, c'est de faire des moutons quand t'es pile avec des patates. À part ça, faut pas, hein? Une carotte, on dirait que c'est une crotte faite par Youpi. Ça doit être le départ des expos qui le fait chier. CR2D2, tiens! Jamme-toi le bouillon avec ça. Back to the Japan. Ah, la nourriture de nos mères, hein? Moi, la mort chez nous, là, c'était toujours, toujours, toujours égal 365 jours par année. C'était mauvais. On avait été fait de mal à la pas. On faisait des fugues quand t'as fait un spécial, toi. On n'avait pas le choix, ben on sautait un repas, ben on sautait après le repas. On a vécu avec la terreur de son pudding chômeur, toi. Mon père s'est fait un solage en cachette avec ça. Ah, ils avaient suivi, ils ont sorti une marque de bière qui s'appelle la maudite. Ouais, ils l'ont appelé de même parce qu'elle était très forte, 9% d'alcool. Si en sortir de 11%, ils vont-tu l'appeler la petite calice de sacrement? Ah, puis de la merde, c'est maudit. Vous avez-tu remarqué aussi les blocs de saumon qu'on met dans les urinoirs, là? Il y en a des blancs, des verts puis des roses, ça sent la menthe, exactement comme les petits bonbons qu'il y a sur le bord des cages de restaurants. Hein, t'es cohérente, hein? Vous avez-tu remarqué aussi le monde qui commence à être pas mal chauve, là? Ils se font toutes des queues avec un élastique en arrière. On dirait qu'ils veulent compenser ce qu'ils ont pu en avant par en arrière. J'espère que c'est pas la même affaire dans leur sexualité. Hein, cochonne! Ça a même affaire dans ma sexualité, je me décapote. Hey, j'aurais un service à vous demander, c'est la première fois que je monte sur la scène devant un public en 30 ans de métier, moi. Puis j'ai toujours voulu savoir si ça faisait d'être un artiste. Ça vous dérangerait-tu de m'applaudir un petit peu, voir? Ah ben, quoi? Ouais. Ah ben! Oh, oh. Oh. Ah! 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 Ça fait tout drôle, ici. J'ai pas ça. Je pense que je vais rester 10 minutes de plus. Ben non, c'est une farce. Bonne soirée. Ah, je le montre son... Ah, je le montre son son. Ah, c'est trop l'équipé. Ah, c'est bien, c'est bien. Parce que ça, c'est bien. Ah, moi, j'ai pas de bonheur. Thank you.
J'espère que Brigitte Bardot est pas dans la salle. Ça sera pas long, je vais me mettre à mon aise. On se calme. Salut, ça va, vous autres? Oui. Ça va? Oui. Ben, c'est le fun! Comme vous savez, moi, ça fait 15 ans que je me cherche, j'ai tout essayé. Le cri primal, les extraterrestres, la chanson, tout ça au fond pour retrouver mes racines. Pour tenter de faire germer mes racines, j'ai même fait le test ultime. Je me suis fait tremper les pieds 2 semaines dans de la ouate mouillée. Tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est des oignons. Puis les cheveux un petit peu plus longs. Ensuite, je me suis posé la question, d'où vient l'être humain? Où tout ça, ça a commencé? J'ai donc passé les 2 dernières années de ma vie dans ce qu'on appelle le berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique. J'ai passé 2 ans dans une tribu africaine que l'on appelle les Nounboulou. Nounboulou. En français, ça veut dire les nu-fesses. C'est cute, hein? Ce sont des gens qui m'ont appris énormément de choses. D'abord, ce sont des gens qui croient beaucoup en l'amour. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a certaines nuits, je me disais que c'était peut-être trop. Disons que ça brassait pas mal dans hutte. Particulièrement dans la nuit d'adoration du dieu du peteux. En fait, je suis presque devenu africain. D'ailleurs, depuis 2 ans, je ne mange que de la nourriture africaine. Depuis 2 ans, je mange juste des sandwichs aux bananes. Et je pense même avoir retrouvé ma mère naturelle. Elle s'appelle Andjumama. En fait, ce que j'ai rapporté de l'Afrique, c'est un don. Est-ce qu'il y a des gens ici qui désirent avoir des enfants? Encore mieux, est-ce qu'il y a des personnes seules qui désirent avoir des enfants? Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui désirent avoir des enfants? Je suis en mesure de tous vous mettre enceinte. J'ai un contact direct avec le dieu de la fertilité, une petite cérémonie, et c'est garanti, paf, tout le monde ovule. Juste pour le fun, là même, on va regarder si on a des gens qui sont intéressés. Vous deux ici, est-ce que vous êtes un couple? Hein? Toi, tu dis non, lui, il dit oui. T'es un petit peu tanné? Il n'y a rien comme un bébé pour relancer tout ça. Faites-moi confiance. Pour implorer le dieu de la fertilité, j'ai besoin de 2 personnes qui vont manipuler les percussions. Ce sont des percussions que j'ai rapportées d'Afrique. Ça s'appelle des tonté. Tonté. En français, tu vires le mot de bord. Tante! Tiens, on va t'en donner un. Toi, t'as une face à ça. T'as pas de l'air à te tante! Puis l'autre, ça va être à toi ici. Tiens. Ça fait longtemps que t'as pas eu ça dans tes mains. J'ai les yeux ronds, ronds, ronds. T'as une belle naïveté. Bon, OK. Avant que vous ne touchiez à vos instruments, il faut que j'absorbe une certaine substance qui m'a été remise par un grand sorcier africain. C'est pour m'aider à entrer en contact avec le dieu. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai découvert ça, la camomille a pris le bord. Pour accoter ça, il faut que t'aies bouillant ta poche longtemps. Il est meilleur que l'autre batch. Ce sera pas long, faut que j'en absorbe une certaine quantité. «
Oh, puis de la marde, j'en prends un autre. Je me rappelle même pas pourquoi je suis ici. Il y a un gars qui est venu avec son tam-tam. Ok, excusez-moi, ça me revient, excusez-moi. On fait des bébés. Ok, les tuntistes, je vais vous faire écouter qu'est-ce qu'il faut que vous reproduisez. Écoutez bien ça. C'est facile. Ok, alors à go, on y va. 1, 2, 3, go! Tout ce que vous allez faire venir avec ça, c'est une pizza! Bon, ok, on a un petit problème, on va le régler, là. C'est parce que toi, t'es pas bon. Pense-le au gars à côté qui rit de toi, là. Donne-le à lui, hein, ouais. Bon, on va t'essayer, voir si t'es bon, toi. T'es-tu prêt? Hein? T'as avalé ta gomme? Ok, 1, 2, 3, go, vas-y! On jurerait le petit lapin d'énergie zèle. Arrachez-y une batterie, quelqu'un. Bon, OK, on va se contenter de ce qu'on a. Mais non, mais on passera pas à soirée à se passer le tonté quand même. OK, alors ça nous prendra un beau petit feu ici en arrière pour exciter le dieu de la fertilité. N'ayez pas peur, là, c'est du feu en canne, OK? Alors, les tontistes, vous êtes prêts? À vos marques, prêts, tontés. Coudon, t'es-tu ça, CSST? T'as peur qu'il te pogne à travailler? C'est pas vrai, vous êtes une des belles paires de tontés que j'ai vues. Alors on reprend ça, 1, 2, 3, go, allez-y. Dieu de la fertilité, es-tu là? Qui vient de crever ses os, là. Dieu de la fertilité, manifeste-toi! Toutes des gars, hein? Dieu de la fertilité, il y a plein de gens ici qui désirent connaître les joies de la maternité. Êtes-vous en mesure de semer la graine universelle? Hakuna Matata. Vous m'arrêtez? Ça a leur faire une fausse couche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti des choses? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à faire un témoignage? Toi? Hein? Est-ce que tu te sens différente de tout à l'heure? Hein? Tu te sens 2 livres de plus? Ça va bien, ton affaire? Si je te dis, Agathe, doux, est-ce que ça donne le goût de pleurer? Oui, t'es enceinte. De toute manière, avant de vous quitter, je vous le garantis, on va te le faire monter le taux de natalité. Ils vont manquer de couches chez Jean Coutu. Les garderies vont engager la Brings pour ramasser leurs profits. Carmen Campagne va faire un burn-out.
quand elle va la tirer, sa vache. Bye-bye. Desserrer les freins à cette heure. Ben, c'est normal de l'initier, hein? C'est sa première journée. Mais j'ai hâte d'y voir la face dans une semaine, par exemple, quand je vais y faire ça. Woupou! Savez, l'autre jour, là, je me cherchais un petit tournevis pour réparer les branchons de mes lunettes qui étaient lousses. Fait que je me trouve un petit tournevis, j'enlève mes lunettes, je vois plus la vis. C'est la même affaire avec les hommes. Hein? T'en trouves un, t'enlèves ta robe, tu le vois plus. Vous savez, à 20 ans, là, quand on m'offrait des fleurs, je me disais toujours, ça c'est mon chum Gérard. À 40 ans, je me disais toujours, ça c'est mon amant Adélard. Puis à 80, je me dis toujours, ça c'est le corbillard. Vous savez, la technologie, c'est pas toujours bon non plus. Hein? Comme dans l'espace, là. À quoi ça te sert d'avoir un bras canadien quand t'as pas de tête à Ottawa? Hein? Bon, maintenant, afin de mieux connaître les nouveaux membres de l'âge d'or qui nous sont arrivés cette semaine, j'inviterai quelqu'un que je connais pas du tout à monter sur la scène afin qu'on le connaisse mieux. Il s'agit de Monsieur Julien de la Lancette. Est-ce que Monsieur Julien de la Lancette voudrait bien monter sur la scène afin... Ah, le voilà, on l'applaudit, s'il vous plaît! Seigneur, avez-vous déjà vendu du poulet dans notre vie, vous? Bon, tout d'abord, bonsoir tout le monde. J'aimerais donner mon pedigree. Mon nom est Julien de la Lancette, j'ai 76 ans. Mes passe-temps préférés sont le boulingrin, la pelote basque et le croquet. Et je dois dire aussi que j'ai déjà fait la guerre, moi. D'abord, j'ai été lieutenant-colonel en raison de mon éducation. Ensuite, j'ai été colonel. Et ensuite, j'ai été remercié. Comme vous voyez, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Hein. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une blague que je suis certain que personne ne connaît ici. Écoutez bien ça. Savez-vous pourquoi on enterre les newfies le fessier sorti? Franchement, voyons donc. Pour faire des racks à bicycle. C'est bon, hein? C'est parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup vieille, hein? Ah oui? Ouais, vous, votre parler, si tu veux te parler naturel, ben c'est parce que vous avez acheté vos dentiers à Paris. Écoutez, comptez de jokes, là, va falloir vous risquer un petit peu, parce que nous autres, au foyer, on est capable d'en prendre pas mal plus que ce que le monde pense en général. Ah oui, tant que ça? Ah oui? Connaissez-vous ça, le journaliste qui faisait une enquête sur les personnes âgées? Non, je crois pas, non. C'est le journaliste qui interviewe un petit vieux pour savoir comment ça se passait sur une journée, puis le petit vieux, il répond, « Ben, moi, là, ça se passe toujours de la même façon, là. Je me réveille à 6 heures, là, je regarde dehors, là, je fais mon petit pipi, mon petit caca, puis après ça, je me lève. De la Lancette, là, ça vient d'où ce nom-là? Ah, ça, c'est parce que mes ancêtres hein, étaient des lanciers sous Louis XVI, hein, donc c'est parti de là. D'abord, c'était la Lancette, puis c'est devenu de la Lancette parce qu'il y avait de la noblesse, moi, dans ma famille. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Moi, Tanguay, ça vient de temps comme d'antan, puis gay comme d'anguay, une famille de fafis qui se reproduit. Vous fumez, vous? Oui, madame, la pipe et le cigare aussi, oui. Oh boy, vous allez voir qu'une galerie, c'est frette à moins 40. Oh. Ah tiens, viens une autre histoire aussi drôle que l'autre. Écoutez bien ça. Savez-vous comment on appelle ça une cuillère qui ne croit pas en Dieu? Je sais pas, non. Une cuillère athée. Oh, oh Seigneur! Venez le chercher. Bon, ben, on est très heureuse d'être contente de plus pouvoir de
de vous accueillir au foyer. Mais avant de quitter, j'aimerais faire une petite annonce. C'est que moi, étant veuf, hein, je me cherche une compagne parce que je vais faire le tour du monde et j'aimerais être accompagné par une des dames ici au foyer. Alors le message est lancé. Le tour du monde, vous voulez dire le tour du bloc 400 fois, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai quelques économies. Vous savez, à mon âge, l'argent n'a plus vraiment d'importance. Quelques économies? Ben, c'est dans les 7 chiffres, hein, c'est... Seigneur, vous êtes quasiment un télétan, vous tout seul? Écoutez, on allait continuer par notre petite soirée de danse, on pourra peut-être jaser sur la salle. Ah, mais moi, j'adore danser. D'ailleurs, je serais très heureux si vous acceptiez de danser la première danse avec moi. Ah, mais il n'y a pas de problème. Hein? Ah, monsieur Stiggy, je vais nous donner un petit peu de musique, là, ce sera le temps. Monsieur Stiggy! Monsieur Stiggy! Oh, Seigneur, que j'aimerais donc séparer son nom en deux des fois, lui! Bon, il se réveille. Ah, donnez-moi des roses, ça c'est bon. Ah, hein? Franchement, donnez-moi des roses. Un cercueil avec ça peut-être, voyons donc. C'est pas du tout à propos pour le foyer, ça. Ah, le temps des cerises, ça c'est bon. Ah, ben le temps des cerises, ça fait longtemps qu'il est passé ici aussi. Oh, non. On dansera pas ça. Ah, Joanne Strauss, ça c'est toujours bon. Ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça. Comment ça se fait que vous êtes au foyer si vous êtes loadé de même, vous? Ah, ben, vous savez, la solitude, hein, c'est pas facile pour personne, hein, mais je dois dire en passant que vous êtes vraiment mon genre de dame. Madame qui déjà? Madame Tanguay. Deux, la Tanguay. Oh. Maintenant, la question que toutes les dames se posent ici au foyer, combien de fois par mois? Ah, ben, je suis en mesure de payer mon loyer, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, est-ce que le chèque rentre vite? Oh ben, c'est le chèque a tendance à rebondir, là. Vous êtes pas choqué, toujours? Ah non, pas du tout. De toute façon, vous devez bien le sentir, hein? C'est pas mon briquet, hein? Non, mais c'est la même grosseur, par exemple. Le tour du monde, hein, vous avez dit? Oui, exactement. Rio, Chicago, Dolbo. En tout cas, j'espère qu'on ne voyagera pas aussi vite que vos mains. Par quel pays on commencerait à s'emporter ensemble sur la seule simple exposition, là? Ben, moi, j'avais pensé peut-être vous faire faire une petite escale à ma chambre tout de suite, là. Arrêtez-moi ça, coudonc, il y a cochon puis cochon. On se met du Viagra dans votre polydor, vous. Pour aider dans le transport en commun du foyer un peu, c'est... Ça va vous slaquer la testostérone, hein? Vous, là, côté succession, vous n'avez pas de votre bord, vous me ferez pas ce coup de cochon-là. Ah non, ça, c'est déjà tout réglé, ça. J'ai tout fait pour me débarrasser de mon fils, il était insupportable. Hein? J'ai changé mon nom, j'ai simulé mon enterrement, même. Ah oui? C'est quoi votre vrai nom? Monsieur Bouvier-Bernois. Ah oui? Ah oui. Et je continue de le hanter, hein? Je lui laisse des grandes traces de clés sur sa Mercedes. Ah oui, c'est pas bon. Il y a des journées qui commencent mal, qui continuent mal, puis qui finissent mal, comme avant hier. Avant hier, c'est le... qui me réveillait, fait que je décroche. Bonjour, mon cher monsieur. Seriez-vous intéressé à répondre à un sondage qui ne prendra que 20 minutes de votre... Ça n'a pas été long que je l'ai... Pour me réveiller, j'ai pris une...
C'est immanquable à toutes les fois que je prends une douche. Ça fait que je me mets une serviette autour de la taille pour aller répondre. Non, je reste au troisième étage, moi. Voudriez-vous m'encourager? Je suis un ancien prisonnier qui veut s'en sortir. Je vends des couteaux. Tu en as acheté 8. Je suis remonté me faire à déjeuner. Ce matin-là, j'ai mangé des céréales, une pomme, puis des toasts. En partant de la maison, je suis arrêté au dépanneur m'acheter des cigarettes puis un Pepsi. J'ai dit au gars, ah oui, donne-moi donc aussi un... Journal de Montréal. Je suis arrivé en retard au bureau. Qui c'est qui m'attendait dans mon fauteuil? Mon boss. L'avant-midi, plate à mort. On aurait dit que même la radio s'était forcée pour être ennuyante. Vers la fin de l'avant-midi, j'ai décidé de téléphoner à ma soeur parce qu'elle file pas du tout ces temps-ci à cause de son cancer. Je l'aime bien, ma soeur, parce qu'elle me donne des bons conseils. Elle me dit, tu sais, là, tu devrais te partir à ton compte. Hein? Tu sais, là, il y a un vieux proverbe qui dit... Ah, ouais. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Sur l'heure du dîner, je suis allé manger du Kentucky. Ça m'a mis l'estomac à l'envers. Ça fait que j'ai décidé de téléphoner à mon médecin. Non, à mon médecin spécialiste. Merci. Mais la secrétaire m'a dit qu'il était parti en congrès de perfectionnement. Fait que je suis parti un petit peu plus de bonne heure du bureau à pied. Ben, je reste pas tellement loin. Moi, je reste 3 rues après la polyvalente, là. Exactement, juste en face d'un... Qui est la belle inconnue? Foyer pour personnes âgées. Juste au moment où je passais devant un McDonald's, j'ai rencontré un de mes anciens chums. Il m'a demandé des nouvelles de mon boss. J'ai dit qu'il avait un tout petit peu engraissé, là. Après ça, il m'a parlé de son ancienne blonde qui a trouvé un tout petit peu trop agressive, mais que ça allait pas mal mieux avec sa nouvelle. Après ça, on a parlé du bon vieux temps-là des filles qui nous faisaient... Je me suis retrouvé à la maison, j'ai ouvert la TV. Au Canal D, il y avait un reportage sur le prince Charles. À RDS, il y avait du... OK, finalement, j'ai tourné ça à Musique Plus. Oui, il passait des vieilles tunes du groupe... Abba. Tout d'un coup, je me suis souvenu que c'était l'anniversaire de ma blonde. Fait que j'ai téléphoné en vitesse en disant « Excuse-moi, là, je suis vraiment désolé. » Elle m'a raccroché la ligne au nez. Le lendemain matin, le même manager commence. J'arrive en retard au bureau. J'arrive devant mon bureau complètement vide. À ce coup-là, je dois dire que ça m'a un tout petit peu surpris. Ben, ça vous a surpris un peu aussi. Hein? Ça fait que je suis allé voir mon... Il avait décidé de me mettre à... Il me dit « Mon de Saint va donc jouer dans... » Il m'a dit « Comme on dit, ton... » Et... Ça fait que pour me faire encourager, avait décidé de... Parce qu'elle me trouvait trop... Ça m'a mis en beau. Fait que je suis parti du bureau, j'ai enfourché ma... J'ai fait un peu trop de... Ça fait que je me suis fait arrêter par les... Non, il était plus gros que ça. Non, il était vraiment plus gros que ça. Merci. Fait qu'en résumé, j'ai perdu ma... J'ai pogné un... J'ai plus de... Je vous tiendrai au... Mais pour l'instant, c'est la... Fin.
J'aime bien ça, embarquer des poussées, le temps passe plus vite, hein? Moi, mon nom, c'est Boum Boum, moi, Boum Boum, moi. Toi, t'as une face d'étudiant qui n'est pas une scène, là, je me trompe pas, hein? Réponds pas, réponds pas, réponds pas, je connais le monde, moi. Hey, moi, ça fait 15 ans que je suis sur la route, 15 ans sur la route. Ben, j'ai arrêté gazer quelquefois, là. Tu sais quoi, le moins long qu'un poussier a fait avec moi? 200 pieds. Je l'avais frappé. Mais à l'hôpital, ils ont été ouest, par exemple. Ils te l'ont plâtré jusqu'ici, puis ils l'ont mis sur le bord du chemin avec le bras dans les airs de même. C'est ça qu'on appelle le virage ambulatoire. Sais-tu ce que j'aime le plus, moi, c'est quand je pogne une run aux États-Unis. Tu sais quoi qui me fait triper là-bas? Les déjeuners. Hey, tu nages d'un pin de café, là, c'est un gallon d'un steak 16 onces dans le coin de tes patates. Puis quand tu demandes de la saucisse, t'as la moitié du cochon dans ton assiette. Là. Après ça, tu reviens dans ta vanne, puis t'as assez de gaz, tu fais le tour du monde. Dans le monde des troqueurs, il y a une expression qui dit « Dis-moi qu'est-ce que tu transportes, je te dirai qui tu es. » La semaine passée, j'ai livré des décors de théâtre, je me sentais cultivé. L'autre jour, j'ai livré une pleine vanne de condoms, je me sentais protégé. Puis là, aujourd'hui, là, pour ton information, là, on transporte 3 tonnes de fumier, comment tu te sens? Regarde bien ça, moi, te montrer quelque chose, tu vas triper. Ça, là, ici, là, mon petit homme, là, c'est ma femme, ça. Elle s'appelle Lucille. Que choisit le bon temps pour partir, Lucille? 4 ans à nourrir des labours à finir. Une maudite folle, ma femme. Oh non, ça me laissait pas, je la laissais, hein? Puis en plus, avec la loi du patrimoine familial, elle a hérité de la moitié de ma vanne. T'es assis sur son bord! J'aime bien ça, José, avec toi, même. Veux-tu me dire ta plus grande qualité? T'écoutes. Je peux-tu te faire une confidence? J'ai l'impression qu'avec toi, ça sortira pas d'ici, hein? La semaine passée, j'ai passé un test de grossesse. C'est positif. Je suis gros. Oh! T'es-tu qui me fait chier le plus, moi? Les politiciens. T'es-tu qui que j'aurais mis à tête du Québec, moi? Jean-Marc Parent. Le monde commence à être down un peu. Envoyez un tour de bateau gratis pour tout le monde. Des filles tout nues qui courent partout. Du Led Zeppelin à pleine tête partout dans la province. Oh, puis de la marde, je flash mes lumières. J'aime bien ça, j'ose avec des jeunes comme toi et moi. Si toutes les jeunes comme toi écoutaient les gars d'expérience comme moi, ils n'auraient plus de problème, hein? Je suis un philosophe de la route, moi. Je vais t'en dire des phrases qui vont te faire réfléchir. Écoute bien ça. Mon ami, dans l'autoroute de la vie, les petits drapeaux rouges pour nous dire qu'une bosse ne sont jamais à la bonne place. Think about it. Mon ami, le divorce, c'est comme faire un flat. Il faut toujours que tu aies un sperre dans le coffre. Don't think about it. T'es un étudiant, toi, la prochaine, tu vas l'aimer. Mon ami, les études, c'est comme le poêle. À 20 ans, t'en as plein le cul. Think about it. Mon ami, si tout le monde pensait avant de parler, si tout le monde pensait avant de parler, si tout le monde pensait,
On va se faire jouer un petit peu de western. De joyeux et bon temps pour partir nous serons. En tant qu'artiste en art visuel, ça fait 10 ans que je demande des subventions au Conseil des arts du Canada. Ils ne m'ont jamais donné une scène. Il y a des affaires que j'avais pas compris encore. Ça a l'air qu'à cette heure, c'est mieux de faire la promotion de l'unité canadienne. J'ai présenté ce projet-là. Intitulé Canada. Le lendemain matin, le chèque était dans mal. Un petit peu plus, puis Sheila venait me le porter en personne. Là, cette année, pour mon nouveau projet, j'ai réfléchi beaucoup sur le sens de la vie, puis j'en suis venu à la conclusion qu'on n'était pas grand-chose dans l'univers. Dans le fond, que c'est qu'on laisse quand on est passé de l'autre bord? Que c'est qu'on laisse? À rien! Un petit paquet de poudre d'os pour faire pousser des tomates, tabarnak! Eh bien, moi, je dis non à la banalité. Moi, Claude Bouchard, artiste, je me refuse de n'être qu'un petit pois vert dans un océan de sauce brune. Et c'est pourquoi que ce soir, je vous invite à passer à l'histoire. Je vous explique mon projet. On a ici un coffre. Dans ce coffre-là, j'ai placé des objets qui nous représentent, nous autres, les Québécois, au 20e siècle. Dessus, c'est écrit « Ne pas ouvrir avant l'an 3000 ». Et ce que je vais vous demander à vous autres, parce que vous allez mettre quelque chose dans ce coffre-là, d'abord, je vais vous présenter mon assistant que j'ai ramené de New York. Il s'appelle Big Dirty. On l'applaudit, s'il vous plaît. Big Dirty. OK, you can go in the place now. Ah oui, bon. Lui, il va se promener dans la salle avec des cartons puis des crayons. Vous autres, là-dessus, vous allez écrire ce que vous voulez. Ça peut être des graffitis, ça peut être de la poésie, ça peut être de la philosophie. Dans le fond, c'est votre marque à vous autres comme être humain. Moi, je vais tout prendre ces cartons-là, je vais les mettre dans le coffre, puis on va l'enterrer pour les archéologues du futur. On va passer à l'histoire, tabarnak. N'ayez pas peur d'écrire juste des petits graffitis. On en voit dans les toilettes, c'est extraordinaire, hein? Ici tombent en ruine les méfaits de la cuisine. C'est de la poésie, ça! Chie dur, chie mou, mais chie dans le trou. C'est puissant, tabarnak, hein? Je pense donc je m'essuie. Je suce. Le problème avec celui-là, c'est qu'on sait jamais si c'est un gars ou une fille qui l'a écrit, mais anyway, bon. Parce qu'il est le pardu, là. You know, Big Dirty, you have to work, hein, if you want your money. Remember? Money, 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 money. Pauvre lui, hein, il pense que c'est moi qui le paye, il connaît pas nos lois, je l'ai crissé sur le bien-être. Alors, pendant que nos génies sont à l'œuvre, je vous montre quelques petits objets que j'ai placés dans le coffre qui nous représentent, nous autres, les Québécois. D'abord, un sac de potes de l'Estrie, communément appelé le Jean Charest Gold. T'en prends une pof, les cheveux de frise, tu changes de couleur, tu te mets à dire n'importe quoi. Un pot de Cheese Whiz, pour lui montrer à quel point on en a mangé de la marde. Un échantillon d'eau de notre beau Saint-Laurent brun. T'en prends une gorgée pis t'es phosphorescent. Une poutine, parce que c'est ça qui représente le mieux les deux cultures du Québec. D'abord, la sauce, on appelle ça du gravy. Donc, la sauce, c'est les Anglais. Les frites, on appelle ça des French fries. Donc, les frites, c'est les Français. Puis le fromage, c'est ce qui fait pogner les deux cultures ensemble. Une photo de Jean Chrétien. Pour montrer à quel point ça peut venir laid un être humain.
Et pourquoi le clonage a été interdit il y a 2 ans aussi? Attends, je fais le saut tous les soirs. Mais bon, OK. You can come back now. I'm gonna give you $1. You're going to buy you a chip and a liquor. And you don't tell it to your mother. Tiens, 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 prends ton argent, là, ouais. Ah ouais, 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 digress. Terre en maquillette, OK. Attends des génies au monument national. Si tu m'aimes, va-t'en ailleurs, téléphone-moi ou... Ça se termine là. Tu veux-tu finir, ben? Tabarnak, il y a du monde perdu. C'est pas drôle, pareil. Non, non, mais tu fais pitié, pareil, hein? Elle a dû sauter une pelule, ben quelque chose, on le sait pas. Qui a fait ça, là? C'est pas passe-partout, c'est ta tabarnak! Tiens, le mettra dans ta chambre. Hein, regarde-là, lui. Tabarnak, vous êtes-tu tous venus dans le même autobus, coudon? Ça se peut-tu? C'est beau, le show. C'est beau, le show. Merci beaucoup. Devant la bête... devant la bête, faut mieux se mettre dessus que se mettre devant. Ça en prend du fort, ça. Back to the Japan, tabarnak. Trouvez donc bien ça drôle, le comprends même pas. T'es pas là tantôt, moi. Le sexe, c'est comme le bridge. Quand t'as pas un bon partenaire, il faut que t'aies une bonne main. C'est pas pire, ça commence à être pas pire, ça, hein? Définition d'un scout. Un petit gars habillé en niaiseux qui suit un grand niaiseux habillé en petit gâte. C'est pas pire, c'est pas pire, franchement, non? Qui a inventé le 69? 69. Un couple qui s'aimait pas la face. Moi, je vais le faire laminer, moi. Oh! C'est pas pire, hein, franchement, c'est des grandes vérités. Dégadine, Francine, j'arrive avec ma pépine. Tu prends pas pour un 7-up, le monsieur, hein? La pépine, mon ami. Tabarnak. Qui se couche le cul qui pique, se lève le doigt qui pue. On ne demandera pas de lever la main, certain. Il est tout enregistré, ça, là. Je suce Roger. Où est-ce qu'il est, Roger, là? Pas des annonces classées, c'est... Ouais, ben pour passer à l'histoire, on va y passer, mais ils n'ont pas fini de rire de nous autres. Imaginez-la en train de regarder la photo à Jean Chrétien en regardant vos cartons. Qui se couche, le cul qui pique, ça. Moi qui pensais d'aller me chercher une subvention avec mon projet de coffre, on va comme mettre un X là-dessus, mettons. Mais c'est pas grave, un artiste, il faut que ça soit capable de retomber sur ses bottines. Comment est-ce que vous me gagez que je présente ce projet-là, intitulé Canada, au ministère de la Culture du Québec, puis qu'ils vont cracher le morceau, comment est-ce que vous gagez? Un artiste, il faut que ça soit capable d'être putain, mesdames et messieurs. Avec un black light, on fait bien des affaires. Bonsoir.
Ce soir, une grande première, une réunion historique. Nos deux plus grands ténors sont enfin réunis pour la première fois. Tout d'abord, le maître. Il a quitté l'hôpital ce matin sous très forte médication. Il est tout de même avec nous ce soir. Et écoutez bien les applaudissements qui vont suivre sans aucun doute. Il maestro Domenico Levescado. Et maintenant, c'est l'étoile montante de l'opéra canadien. Il fait son entrée sur scène, Daniele Turcottino. Quand j'ai pour regarder, je vous dis que ça me fait toucher, puis j'en ai sur le bout de la langue.
qui m'empêche de tsuruter. Du chat me fait cet arbre n'a de rigole, ton bruit bouche plus bête, plus garde, plus nez, une pierre, c'est 40, on entend 40. Crampé. Qui en sortant de la marche secoue le bas des reins. Faites comme des petits galas, et pour que tout le monde se marre, remuez du vent potin. Point au lac Saint-Jean. Quand t'es pris pour y aller, tu mets tes bambettes et puis tu vas foirer. Au lac Saint-Jean, quand t'es pris pour y aller, tu mets tes bambettes et puis tu vas foirer. J'en ai fourré des Gaspésiennes. Moi, je vous dis qu'elles ont le sang chaud. J'en ai je n'ai jamais assez de sugar crisp, sugar crisp, sugar crisp. Je n'ai jamais assez de sugar crisp, sugar crisp, sugar crisp. Macarena, tu cuerpo es para dar alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. México. México.